ora manderemo un nuovo contributo registrato. Voglio semplicemente dare un piccolo cenno biografico. La persona che ci ha mandato questo contributo si chiama Simona Levi, è un'attivista per i diritti digitali e per la democratizzazione della rete. Nel 2008 Simona Levi ha fondato XNet, che è un progetto di riferimento europeo presente su tutti i fronti dell'agenda politica, della tecnologia di quest'ultimo decennio. Le principali aree di azione di XNet sono proprio i diritti nell'era digitale. Nel 2017 l'edizione nordamericana della rivista Rolling Stone ha scelto Simona Levi tra le 25 persone che influenzeranno e stanno definendo il futuro in questo secolo. Io prego la regia di mandare immediatamente il video di Simona Levi. Grazie. Bonne journée à toutes les personnes présentes. Je salue avec grande satisfaction et espoir l'intention de cet espace de débat et je vous remercie pour l'opportunité de contribuer à une cause pour laquelle je me bats depuis de nombreuses années, c'est-à-dire que l'ère numérique puisse être un grand pas en avant pour la démocratie. Souvent, dans la conception des politiques publiques, je crois qu'il y a une erreur, celle de ne considérer le numérique qu'en termes de technologie. D'une certaine manière, la technologie n'est pas du tout l'aspect le plus important du numérique, de la même façon que la machine imprimée de Gutenberg ne l'a pas été pour l'époque des Lumières, tout en la déclenchant. Donc, comme l'écriture ou l'imprimerie, les technologies qui augmentent les possibilités de communication entre êtres humains, c'est-à-dire qui démocratisent l'accès à l'information, nous donnent ce dont nous avons besoin pour exercer notre libre arbitre et donc pour être à la hauteur du rôle de citoyenne et citoyen, adulte et co-responsable. Cette co-responsabilité, je crois qu'elle est au cœur du mot « démocratie ». Et en d'autres termes, la possibilité pour la citoyenneté de surveiller ces institutions et d'y contribuer non seulement tous les 4-5 ans, mais d'une manière organique. Enfin, l'ère numérique nous le permet vraiment et propose une gouvernance neuve. Les maires et pères inventeurs de l'architecture d'Internet, du réseau des réseaux tel comme nous le connaissons, des personnes comme M. Berners-Lee, nous ont fait le cadeau d'une méthodologie qui tisse liberté et coopération. Internet est né ouvert, est né neutre parce qu'ils l'ont voulu ainsi. Ça aurait pu être un produit à la portée de seulement quelques-uns et alors l'histoire de l'humanité aurait été bien différente. Comme pour la compilation du génome, par exemple, je crois qu'on ne peut gaspiller ces moments de grandeur et de générosité humaine. Si l'invention de l'imprimerie a conduit à l'époque des Lumières, c'est-à-dire à mettre pour la première fois la raison, la science et les droits des personnes au centre, le numérique est l'échelon suivant de la démocratisation. Il met la coopération au centre. Le numérique est essentiellement cette idée géniale de dissoudre la rigidité de la centralité pour fonctionner dans l'agilité d'un réseau. Donc, plus qu'une technologie, c'est une révolution dans la structure du raisonnement et dans l'idée d'organisation, c'est-à-dire de gouvernance. L'idée réseau du numérique représente la seule démocratie possible et la transforme soudainement en une réalité. Parce que la démocratie ne peut être qu'un réseau. Contrairement à ce que certains croient, ou plutôt veulent nous faire croire, moi je crois que la démocratie ne veut pas dire penser tous de la même manière, mais tout à fait le contraire. C'est justement l'habilité de vivre ensemble, c'est-à-dire de coopérer en pensant tous différemment. Le numérique, donc, offre une méthode pour cela et nous invite à mettre à jour nos démocraties en appliquant la culture et l'architecture philosophique d'Internet à d'autres domaines. Une nouvelle culture démocratique en réseau, c'est-à-dire basée sur un leadership distribué par rapport aux compétences et aux nécessités, composée par des nœuds souverains connectés entre eux volontairement par des liens basés sur la transparence et la traçabilité, dans le but de poursuivre des objectifs
commun, avec agilité et en temps réel. Eh bien, cela me semble tout à fait le portrait de l'Europe démocratique, adulte, que nous voulons, n'est-ce pas? Mais il faut se rappeler qu'avant qu'on ait pu vraiment apprécier les avantages de la création de Gutenberg, l'Europe a dû traverser 3 siècles d'obscurantisme, au cours desquels des vieux et des nouveaux monopoles politiques ou financiers se sont employés à fond pour empêcher à la population accéder tout simplement à la lecture en liberté. 3 siècles. Donc, mon souhait est que nous ayons appris de l'histoire pour que cela ne se reproduise plus jamais. Nos institutions ont la responsabilité de veiller à que ces progrès aient un impact sur le bien commun et ne soient ni niés ni utilisés contre la population. C'est pour cette raison que j'ai de l'espoir en voyant que vous, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Professeur, vous intervenez sur cette matière. La numérisation, je veux dire de digitalization, accélérée par les contraintes de la pandémie, est imparable. La question évidemment n'est pas si elle se produira ou pas, mais si elle sera démocratique, inclusive et respectueuse des droits fondamentaux ou pas. Il est donc responsabilité de nos institutions qu'elles ne se produisent pas que par les souhaits des corporations ou des intérêts des clientèles électorales. Démocratie est aussi niveler cette asymétrie, la non-symétrie des pouvoirs. Pour cela, les politiques publiques liées au numérique ne peuvent fluctuer entre le technosolutionnisme déshumanisant, qui considère que tout peut être résolu avec l'algorithme ou la technologie, ou la technophobie qui déclare que le numérique est nuisible et qu'il faut en tenir la population à l'écart, ni une chose ni l'autre. Comme toute technologie, depuis la roue, le feu, elles doivent être au service de l'humanité, de toute l'humanité, valorisant leur grande utilité, sans évidemment nier leur danger. Vraiment, il est très urgent. Avec la terrible crise qui commence, le futur de la démocratie, pour que des démocraties autoritaires et simplistes ne se développent pas, dépend de permettre à tout le monde d'arriver à l'âge adulte qui offre le numérique et dépend aussi de quelle manière on y arrive. On ne peut plus ignorer que le futur souhaitable réside dans une société civile active et bien informée qui puisse assumer le leadership responsable de nombreuses solutions et non pas seulement les souffrir. Il ne peut donc y avoir de démocratie de futur, ni de futur pour la démocratie en Europe, si seule une partie de la population peut accéder au réseau des réseaux, un réseau de réseaux de qualité et être un nœud actif qui entreprend, se bat et coopère dans la difficulté. Pour cette raison, qu'un Internet soit considéré un service public afin qu'il atteigne avec qualité jusqu'au dernier coin de l'Europe n'est pas une option, c'est un impératif. Mais non seulement, il doit être conçu pour le bien commun. Comme ça a été dit, les lois européennes sont leaders dans le monde dans la préservation d'un actif structurel du numérique, la neutralité du net, c'est-à-dire un Internet qui ne discrimine pas qui l'utilise sur la base de critères économiques ou idéologiques. Maintenant, l'Europe peut et doit également être leader dans les législations qui visent à empêcher que les intérêts particuliers, économiques ou électoralistes, d'ici ou d'ailleurs, manipulent l'accès à l'information ou se nourrissent du pillage des données personnelles et intimes de la population. Par rapport à cela, je demande que l'Europe n'abandonne pas la défense de la liberté d'expression et au contraire, qu'elle fasse preuve de courage en empêchant les grands investissements qui profitent de ces valeurs pour les transformer en marchandises. En conclusion, je propose un keynésianisme de la démocratie, dont la première pierre est celle de déclarer Internet un service public, un droit. Je rêve que l'investissement public nécessaire pour réactiver nos économies blessées ne soit pas une couche technologique sur des structures de gouvernance obsolètes et désormais injustes, mais plutôt qu'ils produisent des canaux pour la démocratie future, c'est-à-dire la souveraineté numérique de tous les habitants de l'Europe.
un avenir en réseau avec les droits d'entreprendre et de chercher le bonheur individuel et collectif dans des conditions d'égalité. En bref, une ère numérique qui soit plus et meilleure démocratie. Merci beaucoup. Grazie Simona Levi, abbiamo sentito parole importanti, corresponsabilità, democrazia, bene comune, autonomia delle istituzioni pubbliche, una grande fiducia nell'Europa. È un dibattito, quello che stiamo facendo, molto importante. Non è un dibattito, come diceva Simona Levi, sulla tecnologia, è un dibattito sul futuro delle nostre democrazie. Io vorrei chiedere alla Presidente von der Leyen di fare un suo secondo intervento anche sulla base di quanto ascoltato finora. Prego, Presidente von der Leyen. Yes, thank you so much. So, first of all, allow me to say it's a pleasure to react to the comment by Simona Levi. And I'm very impressed by her clear views on knowledge sharing, online democracy and disinformation. So her statement today is a very, very good food for our discussion. Simona Levi touched on a very important point. Our networks are only valuable if they are an open space of freedom, of expression, and of innovation. And indeed, Europe is a front runner in protecting an open internet.